Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait une de vidéo comme ça, un concours. Désolée, mais bon, c'est vrai qu'avec tout ce qui s'était passé, enfin, mon hôpital, tout ça, bon, il y a eu des choses entre deux aussi. Je n'ai pas pu vous faire de concours. Et là, je vous en fais un ce mois-ci. Donc, on va dire que c'est le concours de Pâques, puisque c'est bientôt Pâques. Donc, pour gagner des Diamond Painting, bien sûr, il y aura trois gagnants ou gagnantes. Voilà. Donc, désolé, il n'y en aura que trois cette fois-ci. Des fois, je fais des concours avec plus de gagnants. Mais bon, cette fois-ci, il n'y en aura que trois. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. je rappelle les grosses règles. Enfin, les grosses règles. Les règles, comme ça, en général. Pour participer au concours, c'est très, très simple. L'idéal... Et je préfère largement, c'est d'être abonné à ma chaîne. Donc, si ce n'est pas encore fait, vous cliquez là en bas. Vous voyez, c'est marqué s'abonner. Et puis, il y a une petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc, vous cliquez sur la cloche où c'est marqué toutes. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications. Et surtout, la notification pour savoir si vous avez gagné le concours. Parce que, bon... je ne sais plus lequel de concours, ça m'est arrivé deux fois, je crois, dans les derniers concours, où ben, je n'avais pas eu de nouvelles des gagnants. Donc, j'avais dû remettre les lots au concours d'après. Donc, c'est plutôt embêtant. Enfin, ce n'est pas embêtant vraiment, mais bon, ça permet à d'autres personnes de gagner, bien sûr, mais bon. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sinon, après, pour participer, c'est très simple. Vous mettez un petit commentaire. Comme d'habitude, je vous dis toujours un petit bonjour, un gros bisou. Et vous me marquez « Je participe ». Parce que je sais que des fois, il y en a qui ne veulent pas participer. Donc là, vous me marquez « Je participe ». Et moi... après votre commentaire, je vous donnerai un petit numéro de participation pour le tirage au sort. Voilà. Le tirage au sort aura lieu, j'ai pas noté la date. On est le 10, je crois, c'est ça. C'est le jour des élections. Ah ben non, aujourd'hui, puisque vous voyez la vidéo aujourd'hui, dimanche. Donc, je crois qu'on est le 10, hein, ouais, c'est ça. Alors, dimanche 10, après ça fait 7 jours, ça fera le 17, encore 7 jours. 20, je ne sais pas la date. Bougez pas, je reviens. Voilà, j'ai vérifié ma date. Alors, comme il va y avoir les vacances pendant la période du concours et que peut-être certains ou certaines d'entre vous ne le verront pas tout de suite, je vais laisser le concours en ligne jusqu'au 1er mai. Donc, on va dire le 30 avril minuit et le 1er mai, je ferai le tirage au sort. Voilà, je me le marque. Hop. Voilà, donc le 1er mai, ce sera le jour du tirage au sort. En plus, comme ça, ce sera une date qu'on va se rappeler. Donc, je ferai le tirage au sort le 1er mai et les personnes qui auront gagné auront 7 jours pour... Mais bon, tout ça, je rappellerai au moment du tirage au sort. Les personnes ont 7 jours pour me faire coucou, c'est moi qui ai gagné, et me donner leurs coordonnées. Mais bon, tout ça, on aura le temps d'en reparler le jour du tirage au sort. Là, pour l'instant, tout ce que vous devez savoir, c'est que vous me laissez un gentil message. Et en plus, vous me marquez « Je participe ». Et vous avez jusqu'au 30 avril, minuit. Passé minuit, il sera trop tard.
pour participer. Voilà. C'est noté pour moi. Donc maintenant, comme j'ai dit, vous serez trois gagnants ou gagnantes. Donc il y a trois kits à gagner. Voilà, c'est logique. Je vous montre le premier. C'est des kits que vous connaissez déjà, que j'ai déjà présenté. Alors je vous présente d'abord le kit pour la troisième gagnante. Je ne vous remonte pas les perles en détail, hein, puisque vous, de toute façon, normalement, vous les avez déjà revues quand j'ai fait mes unboxings. Donc, je vous dis juste quel genre de perles c'est. Et puis, voilà. Alors, ce sont des petits kits. Non, ce ne sont pas si petits que ça, mais c'est des 40-30, normalement, si je ne me trompe pas pour les trois. Alors, ici, ce sont des perles rondes. Voilà, comme ceci. Voilà, il y a le petit kit qui va bien avec. Dedans, il y a 23 couleurs et donc c'est un 40-30 cm. Voilà, et c'est le kit avec les nounours en peluche. Voilà, qui est très joli. Celui-là, il est trop mignon pour mettre dans la chambre des enfants. J'aime beaucoup celui-là. Donc ça, c'est celui qui sera gagné pour la troisième place. Je le range tout de suite. Donc c'est le numéro 23. Alors, je vais essayer de vous remettre les photos. Hein. Je vais rechercher dans mes... sur mon ordi. J'espère que je ne les ai pas effacées. J'essaie de vous remettre les photos à la fin. Si vous voyez que j'ai pas mis les photos, c'est que j'ai perdu les photos. Alors, pour le deuxième lot, c'est un 30-40 également. Idem, il y a bien le petit kit pour démarrer. Et ce sont aussi des perles rondes, voilà, en chapelet, comme ceci. Il y a 27 couleurs, 30-40, voilà, je ne me trompe pas, et c'est celui-ci, la femme avec la tête en forme de fleur, voilà, très joli aussi celui-là. Donc ça, ce sera le lot numéro 2. Alors, je précise pour les nouvelles qui n'ont jamais passé de concours sur ma chaîne, ne dites pas « je joue pour le 1, pour le 2, pour le 3 hein. ». Non, non, vous jouez pour les 3 kits. Donc, c'est le hasard qui, au tirage au sort qui dira quel kit vous avez gagné. Je rangerai mieux après. Et le lot numéro 1, donc un 30-40 également, donc je ne m'étais pas trompée, pareil, le petit kit, et perle ronde aussi, en chapelet, voilà. Et ici, nous avons combien de couleurs? Nous avons 22 couleurs. Et celui-ci, je l'adore. Vraiment super beau. Un joli, on dirait une poupée avec ses grands yeux bleus. Il est magnifique. Avec ses longs cheveux. Voilà. Donc ça, c'était le lot numéro 1. Voilà. Alors, j'espère que ces trois lots vous plaisent, que vous êtes content d'avoir un concours, que ça a dû vous manquer sur la chaîne depuis. Je suis désolée de pas pouvoir, n'avoir pas pu en refaire avant. Je vais bien remettre mes... C'est mal rangé, je rangerai après, sinon ça va faire du bruit. Je suis désolée de ne pas avoir pu en refaire avant.
Donc, je vous rappelle, là, vous avez jusqu'au 30 avril minuit pour jouer, pour participer. Si vous voulez inviter des copines ou des copains à participer, ben, n'hésitez pas, hein. Plus on est de fous, plus on rigole, hein. Je rappelle que bon, l'idéal, c'est d'être abonné à ma chaîne. Et là, en ce moment, j'ai beaucoup de nouveaux et nouvelles abonnés, donc je suis très contente. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaît. Excusez-moi, j'ai la voix, que ça y est, je commence à parler, j'ai la voix qui part en vrille. La voix commence à aller mieux, hein, depuis l'opération, mais je ne peux toujours pas crier. Si j'essaye d'élever la voix un petit peu, ça part en cacahuète. Donc je ne peux pas crier. C'est bête, je ne peux pas crier sur Chouchou. Non, je crie jamais sur lui. Non, sinon tout va bien. La tête s'est bien remise aussi. Le trou s'est refermé. Pour ceux qui n'avaient pas suivi le feuilleton, je m'étais cogné la tête sur une de mes étagères avec un coin en métal un dimanche. Donc, je m'étais fait un trou dimanche dernier. Mais bon, ça va, tout s'est bien remis. J'en rate pas. Qui c'est qui m'a dit ça? C'est Laurence, je crois, en commentaire. Ouais, non, je ne sais plus qui m'a dit ça en commentaire. Okay, elle m'avait dit, j'en rate pas une. Ouais, non, c'est sûr, j'en rate pas une. Bon, allez, je vous laisse participer au concours. Et maintenant, je vous fais à tous des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles vidéos et nouvelles aventures. Je ne sais plus ma phrase que je dis d'habitude, mais enfin, vous la savez. Et le tirage au sort, ce sera le 1er mai. Voilà. Gros bisous, à bientôt. Thank you.